Là, je t'ai laissé du croissant si tu veux. C'est vrai, du coup, j'ai une heure devant moi. Des fois, il écoute un peu, mais ça va, ça devrait le faire. On peut peut-être fermer juste sinon, on va avoir des bruits un peu. À moins que je sais pas, que ça soit bien. Non, alors, les petits bruits d'oiseaux. Vas-y, si on a des petits bruits d'oiseaux. Je le joue du matin. Cui-cui. C'est carré. Est-ce que pour le podcast, tu peux te présenter un peu pour les gens qui suivent pas ton taf et tout Grave. Je saurais pas comment, mais vas-y. Pour les trois auditeurs qui vont écouter. Ouais, c'est ça. Je m'appelle Joseph et je fais du dessin. J'ai fait les beaux-arts à Paris et maintenant je fais les arts déco en section animation en deuxième année. Voilà. Sur cette grande antenne, bien sûr. Ici et maintenant. J'ai toujours rêvé de faire la radio. Ici et maintenant. Quelle est ta radio préférée pour gagner 18 mois de salaire Je te fais gagner ton poids en casse-couille. En conserve. En pâte. Énorme. Parle. Non, regarde pas comme ça. Du coup, je suis artiste. T'es artiste ? Je suis artiste, ouais, bien sûr. Il suffit de le dire. Je suis diplômé par l'État. Ça, c'est une vraie question que je me pose. À quel moment tu te considères comme artiste Je suis d'accord. Parce que en soi, là, on est encore étudiant. Et même si. Il y a des gens, ils le disent. Hein. Il suffit de le dire. Je vois des gens juste sur internet. Ils disent je suis artiste. Bah, let's go, en vrai. Oui, non, mais c'est ça. C'est... Moi, j'avais des profs qui me disaient genre, au bout d'un moment, t'as une bio Insta. T'es ce que t'as en. Enfin, t'as. Je suis mort. Et moi, ils disaient vraiment ça. T'as vraiment la possibilité d'être qui t'as envie d'être. Ça te rend. Enfin, il y a un côté où, genre, vraiment. Moi, je trouve. Genre, en fait, quand tu vas dire aux gens. Ouais, je suis chara designer, ils vont te dire ah ouais, bah peut-être il y a un truc de chara design, je sais pas quoi, j'ai un pote. Ouais, en fait, si tu dis juste je fais des dessins. Mais à quel moment tu passes de étudiant à artiste ? Quand t'as un statut, mon pote. Je sais pas, non, en vrai. Est-ce que c'est quand tu fais des. Quand tu commences à faire des bails un peu. De artiste en général qui m'énerve, genre. Oui, non, mais. Je te... enfin... Mais tu vois ce que je veux dire quand même. Genre en vrai. Je trouve que c'est peut-être utilisé trop vite, tu vois. Je suis totalement d'accord. Et en même temps, plus c'est ouvert, mieux c'est. Alors, j'ai l'impression que quand je vois des gens genre, qui sont entre guillemets amateurs et qui font de l'art et qui sont des artistes, en général, c'est frais et stylé ce qu'ils font. Alors que les gens qui sont genre qui ont la tête dedans. C'est pas faux aussi, ouais. Enfin, du coup, j'aime bien aussi que ce soit, que ce soit ouvert. Mmh. Ouais, non, mais ça, après, ça englobe plein de trucs et tout. Mais je sais pas, dès que tu crées, pour moi, genre, ça a de la valeur. Enfin. Enfin, pas tout le monde non plus, genre pas tout, mais il y a toujours des trucs beaux à trouver, même quand c'est pas officiel. Fin. Oui, je suis d'accord. Sur Instagram. J'en suis plein qui ça. Vraiment des. Parce qu'à un moment, avec un pote, on n'arrêtait pas de s'envoyer des posts sponsorisés de dessins horribles. Oh, et du coup, on avait quel beaucoup caviar. Ça. Ah, quel caviar de fou en vrai. Mais vraiment, on a trouvé des pépites. Vraiment, il faut que je remonte la timeline, mais c'est un délire, on a trouvé des pépites. Et genre, il y en a avec qui je me suis abonné, bah, legit quoi, je les suis. J'aime trop ce qu'ils font en fait. Ils font des mangas, genre sur manga, je sais pas quoi, manga. Comment il s'appelle le site Le site où il y a là les amateurs qui mettent des mangas dessus. Et je l'aime trop. Tu peux. Ah, mais j'ai pas mon téléphone. Il arrivait quoi ton téléphone? Je l'ai oublié hier soir chez un ami qui habite vraiment. Loin. Vraiment à Mairie de Montreuil. Vraiment à 20 minutes à pied du métro Mairie de Montreuil. Un ouais. Peu loin en vrai. Mais on a fait un deal aujourd'hui pour le repas. On se retrouve. Ah ouais, ça c'est bien. Du coup, je suis con. C'est moi qui ai oublié mon téléphone en vrai. Donc, ok, ouais. Mais si tu veux regarder, regarde sur mon profil. Insta, normalement, il y a le lien vers les BD que j'ai mis sur le okay. Site. Et mec, ce site, je le trouve vraiment, je le trouve fou. Vraiment, faut que je retrouve le titre. Et spécifiquement, il y a une catégorie érotique.
je te promets, les gens ils se lâchent, ça me termine. J'ai trouvé des trucs, non mais tu hallucines, genre. Mais c'est bien ou c'est. Bah, en fait, c'est tellement. En fait, j'ai envie de dire, c'est de l'art brut. C'est vraiment genre. Je sais pas, j'aime c'est trop. C'est MD. Non, Manga Craft. Manga Draft. Manga Draft, mec. Manga Draft, c'est vraiment un truc de fou. Ok. Franchement, franchement c'est vraiment un truc de fou, genre. Genre là, après tu vas genre dans... Là, tu vas. Il y en a plein. Et c'est des gens, ils sont chez eux, ils font des trucs. Ah, mais c'est genre des webtoons ou c'est juste. Non, c'est vraiment des mangas. Genre, bah, en fait, t'as le choix, je crois qu'il y a deux types de lecteurs. Tu peux lire soit en mode webtoon, soit en mode manga, mais de base, c'est manga, tu vois. Okay. Et tu lis page par page, c'est comme lire des scans. Mais et j'aime trop ceci. Enfin, là, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais. Mais je pense que. Ouais, c'est aller... des bails genre de 330 pages, genre les mecs. Il y a des mecs qui se mettent des déter, ils sont pas payés pour faire ça, hein. C'est fou. Ah ouais, c'est ouf. Ok, des dessins c'est solide. Hein. Attends, 446 pages. Ah, c'est une dinguerie. Non, mais je pense qu'il. Non, mais il les balance pas d'un coup. Attention, il y a des trucs horribles aussi. Hein. Je valide pas tout ce qu'il y a. Moi j'aime bien. Bah, non, mais l'édit, mec, il y a des techniques. Mais gros, c'est un truc de fou. Il y a des mecs qui font de la 3D et tout. Ils font. Enfin. Non, moi j'aime trop. Hein. Ah ouais, c'est bouillant. Bah, ok, vas-y. C'est pas mal. Franchement, ouais. Gardez un œil sur ce site. Tu bosses sur des trucs là en ce moment ? Non, j'en ai plus rien. Hein. C'est. En ce moment, t'arrives plus à rien? Ouais, non, j'ai perdu là, j'ai perdu l'énergie. Des fois, ça arrive, hein? Ouais, ça arrive. Parce que, comme c'est un truc de plus longue haleine que. Enfin, en vrai, si la BD, c'est plus de longue haleine déjà, mais déjà l'anime, c'est vraiment. Ouais. Et je sais pas, ouais. Non, je me suis piégé par les cours aux arts déco, j'ai l'impression. Du coup, genre, ouais, du coup. Je sais pas. Vous avez tant de trucs à faire que ça? Bah, si t'essayes de bien tout compléter, en vrai, ouais, y a des. Ok. Mais tu te plais quand même au sort déco ou pas du tout? Bah si, c'est cool, genre surtout les proches, je les trouve vraiment vraiment gentils, vraiment cool. Ok, ouais. Genre on peut grave échanger avec eux, ils sont pas. Il y a des sections où ils sont tellement plus chiants que ça, genre en mode ils sont vraiment à cheval sur les heures et tout, et genre sur les sujets, en mode tu dois bien répondre aux sujets et tout. Là, les nôtres sont pas du tout comme ça, mais il n'empêche que quand même il y a des. Il y a un sujet, et bon, tu peux pas trop non plus. Ouais. Genre là, faut qu'elle ait une maison dans le truc. Et genre là, je me retrouve avec un scénario où le seul élément bizarre, c'est la maison, tu vois. Je voudrais l'enlever pour que ce soit bien. Ouais. Ah, c'est le truc dont tu me parlais avec la maison en pâte à modeler, là. Ouais, mais en fait, ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, c'est ça que je vais faire. Mais en fait, je me rends compte que la maison, c'est tellement compliqué alors que je pourrais juste faire des trucs plus subtils. Si je voulais vraiment faire, genre, l'idée que je veux faire, c'est-à-dire un peu. Un espèce de préhistoire dystopique, genre vraiment très très loin. Genre, c'est ce que tu m'avais parlé, ouais, une sorte de femme caverne en pâte à modeler, là. Je pense que ça marcherait mieux de trouver, genre, je sais pas. Non, mais j'ai eu d'autres idées, je pense, qui marcheraient mieux. Qui serait plus subtil que vraiment trouver une maison taille dans la. Bah, ouais, je capte. Attends, je vais juste couper le son de Smash parce que sinon on va entendre. Voilà, où tu l'entends là? Moi je l'entends là, ouais. Et si je l'entends, c'est que le micro l'entend encore plus. En fait, ce sac aussi, j'ai l'impression que faut pas trop trop le tâcher, quoi. Bah, c'est un tote bag Fanzine Festival, donc ça ferait chier. Oh, stylé. Ça ferait chier de le. Inès m'a dit que tu étais inscrit ouais. un peu en déche avec, ouais, Valentin et tout. En grosse déche. ouais, exactement, ouais. Avec Léa, Valentin, c'est Léa qui nous a chauffé, qui a fait un petit groupe Insta et tout. En fait, je me suis fait voler mon disque dur, genre un jour avant de devoir envoyer les images à Léa. Du coup, j'étais là, genre. Ok, j'envoie ce que j'ai sur mon ordi. Ok, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Beaux-Arts? Parce que j'avoue que ça m'intrigue un peu, genre. Ah, grave. T'as passé 6 piges là-bas? Ouais. 6 piges. Ouais, j'ai passé 6 ans là-bas. Ouais. Putain. Mais bah, parce que c'est la classique de redoubler un an. Mais je pense dans toutes les écoles d'art, les gens ils essayent de redoubler pour caler une année en plus. Enfin, en vrai, je suis en train de cap de fou. Je pense pas dans toutes les écoles d'art du tout. Mais dans les écoles où t'es particulièrement genre libre et où personne te fait chier, genre, d'essayer de gagner une année à avoir un atelier gratuit genre dans Paris, c'est trop stylé en vrai. Okay. Mais même aux arts déco, en vrai, les arts déco ils font grave ça aussi. De la 6ème année là. Ouais, bah, même la 6ème année ça existe aussi aux Beaux-Arts. Okay. Mais en gros, genre, c'est pas la même chose. En gros, la 6ème année, t'as pas accès aux ateliers. Normalement, t'as plus de place dans les ateliers, c'est juste pour les trucs techniques. Genre, okay. Tu peux venir un peu travailler genre, dans les trucs techniques, mais t'as pas de place en atelier. Mais tu peux juste, genre, sinon, tu fais des césures ou tu redoubles. Mais y a, là, les gens qui font ça aux arts déco aussi, hein. C'est fou. Je vois qu'ils demandent tous des césures et ça bouche les années et tout après. Ça me termine. 6 ans au Beaux-Arts, qu'est-ce que tu fais en 6 ans? Genre, est-ce que t'as eu un moment des cours où c'est vraiment direct des ateliers ou des trucs. Moi j'ai un parcours genre je suis rentré trop tôt je pense dans l'école en fait. Ouais, ce que j'allais dire c'est que je me disais genre Beaux-Arts t'as l'air tellement libre que sorti de lycée. C'est une dinguerie, faut pas faire ça. Hein. Bah, en fait c'est ça, voilà. Tout le monde te sauce en plus. Ça c'est une dinguerie. Tout le monde te sauce. Oh, t'es rentré au Beaux-Arts après le lycée. Mais en fait, c'est une mauvaise solution, vraiment. Enfin, ça dépend pour qui. Moi,
bof, bof pour moi. Mais je pense que c'est mieux de rentrer aux Beaux-Arts après lycée maintenant que quand je suis rentré moi. Parce que c'est beau, les premières années, elles sont plus dirigées maintenant. Quand okay. je suis rentré en première année, j'avais vraiment trois cours. J'avais trois cours, genre, je disais genre, ok, bah c'est cool, j'aime bien. Après, j'y allais, tu vois, j'avais travaillé et tout, ça m'a pas rendu j'ai pas arrêté de travailler ou quoi, mais déjà, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui y trouvent pas leur place et tout. Mais ça, c'est un autre problème, attends. Il faut que j'aille étape par étape. En fait, bah, je sais pas si tu connais un peu le fonctionnement des Beaux-Arts. Bah, très peu en vrai, du coup. Bah, en gros, c'est une école où t'arrives, tu fais le concours, tu rentres, et en fait, une fois que t'as fait le concours, tu refais des entretiens pour avoir un atelier. Parce qu'il n'y a presque pas de cours, comme je te disais. Enfin, maintenant, il y en a plus dans les premières années, mais quand moi je suis rentré, il n'y avait presque pas de cours. Genre, un cours de langue, un cours de théorie, entre guillemets, genre anthropologie, histoire de l'art, n'importe quoi, tu choisis. Okay. Et un cours de dessin, je crois. Mais c'est tout. Et genre, après, tu vas à l'atelier, en gros. Tu as un atelier, tu as un espace dans lequel tu bosses. Mais pour vraiment trouver cet atelier, tu dois faire un entretien avec les chefs d'atelier, qui sont des artistes, qui dirigent les ateliers. Et. Du coup, c'est des artistes, bah, en vrai, c'est des artistes connus et tout, genre, qui sont vraiment bien. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais personne, mais en fait, c'est des noms un peu connus, genre. Oui, un peu cool. Bah là, en ce moment, par exemple, il y a Mimosa Echard et Julien Creuset, qui sont genre des big names de l'art contemporain, en vrai. Genre, Julien Creuset, c'est lui qui fait le pavillon français à Venise cette année, tu vois. Ouais. Donc, et Mimosa Echard, elle a gagné le prix Marcel Duchamp il y a quelques années aussi, il y a 2-3 ans. Du coup, genre, c'est... En vrai, je pense qu'ils ont un peu la fierté d'avoir des gros noms. Avant, il y avait Kawamata, genre Tadashi Kawamata, c'est genre un artiste japonais archi connu, genre qui fait des structures en bois un peu et tout. Ok. Bah, il est parti. Mais il y a des aberrations, genre il vivait à Tokyo pendant que j'étais prof au Beaux-Arts de Paris, genre. Un peu bizarre. Ouais. Mais du coup, tu trouves un atelier et tu peux ne pas avoir d'atelier, c'est possible, ça existe. Tu peux ne pas avoir d'endroit où travailler jusqu'à novembre, décembre, et dans ce cas, il y a une commission pour prendre les gens qui n'ont pas d'atelier et les mettre dans les ateliers, ce qui est genre. Bah, l'atelier, genre, ils sont. Bah, c'est un peu dur, franchement. C'est... Les gens qui n'ont pas d'atelier, y a... Bah, ils sont un peu mis au forceps dans l'atelier et tu te sens, je pense, tu te sens pas bien quand c'est le cas. Bah, parce c'est que ça, voilà. Tu te sens un peu comme une merde. Parce qu'ils prennent des élèves en sachant qu'ils peuvent ne pas avoir d'atelier. Ouais. Bah, en fait, ça dépend vraiment des chefs d'atelier, mais il y en a, ils font vraiment genre, non, moi je prends 5 élèves alors qu'ils ont des places de baiser, tu vois. Ouais, putain, c'est vrai. Et il y en a qui font genre, ah bah, du coup, moi j'en prends 15 parce que. Est-ce que quelqu'un veut un dernier bout de croissant avec moi là? Bah, je suis genre. Très très bon. Mais du coup, dans ce sens-là, c'est une école assez violente en fait. Et parce que. Enfin, je pense qu'ils prennent pas les élèves au pif. Enfin, genre. Bah. Parce que s'ils prennent les élèves, c'est aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont se débrouiller et tout quoi. Ce sont les, selon les projets aussi des élèves. C'est hyper dur en vrai. Mais. Bah. Je pense que par exemple, l'année du Covid, il y a eu une vraie différence avec les élèves qui sont rentrés dans l'école. Ils étaient beaucoup plus. Genre, c'est pas les mêmes élèves qui sont rentrés dans les entretiens en vrai et dans les entretiens en Zoom, tu vois. Okay, c'est ouais. drôle. Genre, il y avait beaucoup plus une vague de gens qui étaient plus réservés, un peu plus dans leur délire et tout, genre qui étaient moins en mode je suis artiste, machin, hyper extraverti, genre, montrer ses dessins et tout. Ça a ouvert un peu l'école à ces gens-là. C'est cool, du coup. Mais je pense que du coup, ouais, tu dois être équipé un peu socialement. Hein. Toi, du coup, t'as eu un atelier direct? Bah, moi, j'ai eu de la chance que. Je faisais vraiment du dessin BD, genre pas vraiment BD, mais enfin, si. Ouais. Dans la grande famille du dessin, ça se calait vraiment dans la BD, et en vrai, il y avait l'atelier de Johan Sfar, du coup. Et ça, c'est trop cool parce que, bah, du coup, il m'a pris en mode, ouais, c'est. Ça rentre, c'était pile la vibe, tu vois. Mais j'ai tenté d'autres ateliers qui. En fait, les ateliers, ils ont un peu. Ils ont un peu aussi des pratiques quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des artistes qui font de la sculpture, ils ont des élèves qui font de la sculpture, tu vois. Enfin, il y a un truc assez logique en fait. Bah, oui, techniquement, tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein d'élèves qui sont d'ailleurs dans les ateliers où, genre, ils font pas la même pratique que leurs profs. Dans ce cas, c'est juste que, bah, je sais pas, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit en fait, personne t'oblige. Mais du coup, il y a quand même une espèce de logique qui s'installe, même avec les espaces et tout. Et du coup, Johan, bah, il fait de la BD. Et du coup, bon, il est encore prof là-bas, tu sais? Non, il est plus prof là, depuis l'année dernière. Ok. Mais du coup, et quand t'as un atelier, tu l'as pour un an, après tu dois repasser. Non. Après c'est bon. Ouais, c'est okay. Bon. Non, après t'es calé. Mais par contre, une fois que t'es dans l'atelier, ça veut pas dire que t'as une place dans l'atelier. Ça veut dire. Faut que tu bosses. Sur le papier, t'es dans l'atelier. Mais par contre, si tu viens pas, t'as pas de table. Enfin, y a pas d'endroit qui t'est attitré en fait. Ça dépend vraiment des ateliers, tu vois. Genre, moi je sais que quand je suis rentré dans l'atelier, on nous a donné une table à tous les nouveaux et tout, en mode c'est trop gentil et tout. Mais ça marche pas comme ça partout. Des fois, c'est les profs.
genre les chefs d'atelier qui décident qui aura quel espace, tu vois. Okay. En fonction aussi de ceux qui passent des diplômes ou quoi. Et après, ouais, faut venir quoi. Et faut juste venir bosser sur ton bureau. Ouais. Enfin, nous on avait des bureaux parce qu'on faisait du dessin sur des bureaux, mais sinon t'as des murs, enfin peu importe. Et c'est dans les locaux de l'école ou c'est vraiment. C'est-à-dire. Bah non, mais enfin, genre. Genre ça fait un peu genre les maisons dans Harry Potter et tout, genre vous avez chacun vos locaux avec un chef d'atelier et tout et vous vous pointez comme ça, mais c'est que dans le même bâtiment ou c'est vraiment genre juste l'école contacte un artiste qui a déjà un atelier? Non, c'est vraiment dans l'école. Okay. C'est vraiment dans l'école. D'ailleurs les chefs d'atelier ils viennent pas tout le temps, genre ils sont clairement ils bossent pas là en fait d'ailleurs, c'est pas leur atelier, c'est juste genre ils viennent une ou deux fois par mois et il y en a Ah ouais non mais c'est en vrai c'est... Et les locaux des Beaux-Arts c'est cool, enfin, c'est bien... Vous êtes jamais rentré dans les Beaux-Arts? Je crois que je suis jamais rentré dans... C'est une dinguerie. Ouais, ouais ça a l'air bien. Ouais. Le bâtiment il est tellement vieux en fait. Je pense qu'il y a un vrai poids avec toutes les... Il y a de la statuaire partout. Il y a un vrai poids genre chelou d'histoire quand tu rentres dans le bâtiment. Non merci, moi j'en ai encore. Et... En fait l'idée c'est par exemple deux, le bâtiment. Il y a genre les Beaux-Arts classiques un peu genre... Genre les Beaux-Arts. Il y a même séparé en trois. Genre, il y a les Beaux-Arts classiques avec la cour, genre là où tu rentres par la rue Bonaparte. Ensuite, genre, ils ont intégré un hôtel particulier qui donne sur le quai il y a genre 200 ans, qui s'appelle l'hôtel Chimay. Et du coup, c'est genre, là, il y a plein d'ateliers dans cet endroit-là, en gros. Enfin, c'est que des ateliers. Parce que dans le truc Beaux-Arts normal, il y a un peu. Il y a genre, bah, il y a une grande cour vitrée. Enfin, il y a rien. Enfin, en vrai, c'est le bâtiment, il est fou. Et l'hôtel Chimay, c'est un peu le côté un peu plus destroy. Même si d'extérieur aussi, c'est un hôtel particulier quand même, faut pas déconner. Mais... Genre, c'est un peu plus atelier, tac sur les murs. Ça, quoi. Je sais pas du tout ce qu'ils sont les locaux. Bah ils sont rue Bonaparte, c'est-à-dire dans le 6e arrondissement vers Saint-Germain-des-Prés. Ok. Genre vraiment quand tu continues l'église, tu continues la rue tout droit et. Ok. Et à un moment t'arrives au Beaux-Arts, c'est un grand portail avec genre deux têtes comme ça en haut. Et vous êtes beaucoup à rentrer chaque année? Je pense qu'il y a une centaine. Ah oui, ok. Cool. Ouais, une centaine d'étudiants, je pense. Ok. Ok. Ouais, parce qu'il fait pas beaucoup d'étudiants. Et en fait, l'école elle est immense en vrai. Je sais pas. Mais en vrai, je suis chaud de vous faire visiter, genre, si vous voulez. Ah bah, carrément, je suis chaud. Parce que, en vrai, maintenant c'est vraiment plus chiant pour rentrer. Genre, ils sont casse-couilles. Avant c'était un moulin, mais maintenant, genre, avec les pirates, avec le Covid c'est ça, et tout. Ouais, c'est un peu. Ça, c'est le cas de toutes les écoles aussi. Ouais, de ouf. Après, ça reste chill parce que juste tu dis à l'entrée, genre, ouais, il vient m'aider pour un truc. Genre, oui. C'est good. Mais moi, je pense que j'ai encore quelques mois où ma carte de l'année dernière elle va faire l'affaire, mais là après je pense que ce sera plus chiant pour rentrer en vrai, surtout que genre les gens de la sécurité ils se connaissent plus et tout. Ouais, c'est plus compliqué. Mais moi j'avais fait ça à Dupéry, je m'étais ramené avec ma carte de genre il y a 2 ans et tout, je me pointe, je prends ma carte au calme. Après je vois ils ont totalement changé de design de carte et vraiment le gardien il m'a regardé en mode chance. Bah non. J'avoue pas de chance. Mais aux arts déco par contre c'est stylé, genre ils collent un sticker de l'année. Mais je pense qu'ils vérifient plus. Je pense que l'art déco ils vérifient plus. Genre la sécurité. L'art déco ils vérifient bien. Ouais, ils vérifient bien. Tu veux même remplir un petit papier si tu veux faire rentrer quelqu'un. C'est ça, voilà. Ouais. Bah même là, enfin moi je sais pas, ils rentrent pour le kinosaure et tout, et c'est très. C'est très carré, ouais. Si ouais. Bah même il y a de la sécu genre aux arts déco. Il y a de la sécu. Enfin, c'est une sorte de ouais d'agent. À l'entrée, ouais, il y a un agent, ouais. C'est ça, voilà. Mais aux arts aussi, hein. Ah ouais, il y a une petite cabine même et tout, mais avant il n'y avait pas ça, mais ouais, il y a une petite cabine et tout. C'est au Gobelin aussi et tout, hein. Enfin en vrai, bah, ouais, école, je pense. Je pense Oh, le pire c'était genre Ferrandi, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. L'école de cuisine, c'est la meilleure école de cuisine de France apparemment, enfin bref. Une école de cons. Mais vraiment gros, c'était dans le 6ème, il y a vraiment ouais, deux gardiens et tout. Et genre Balthazar en gros qui était, un pote qui est en cuisine du coup. Il nous fait à peine rentrer dans la cour et t'as vraiment genre deux boucs qui sont en mode vous n'avez rien à faire ici, genre dégagez, genre tout le monde qui est en costard, ouais, et tout le monde qui vient saper et tout. Tu fais waouh, c'est n'importe quoi. C'est comme ça dans mon lycée, il y avait une section hôtellerie, cuisine et tout. Ouais. Et du coup, il y avait grave des gens en costume et tout. Genre plein d'élèves qui étaient obligés de se ramener en costume tous les jours. Mais c'est clair, mais Balthazar c'était ça pendant 3 ans, lui. Ouais. Young entrepreneur, genre, tu vois. C'est ça, genre, vraiment, il fallait être bien sapé et tout. Genre, comme c'est de la cuisine, il fallait qu'il soit tout le temps rasé, cheveux courts et tout. Genre, ouais, mais ça c'est normal après. Quel enfer. Bah, juste tu mets pas de poils dans ce que tu cuisines, il y a un côté d'hygiène, ouais. Mais... Ouais, non. Bah, si, en vrai. Moi j'aime trop les cheveux dans ma soupe, bon, ouais. J'ai tout ce qui est poils dans ce que j'ai gravé, j'aime trop ça, moi. Bah, toi tu trempes tes cheveux et après tu les essors. C'est ça, non, avec toi directement tu fais. C'est ça, tu manges sur tes cheveux. Horrible. Ce qui me rendait fou, c'est que Balthazar il avait pas le droit d'avoir les cheveux longs. Mais les filles elles ont les cheveux longs.
Et ouais, mais c'est un peu vieux jeu et tout. Oui, ouais, 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 c'est pareil, mais du coup, c'est genre. Ouais, c'est con de fou. T'as vraiment un truc militaire dans la cuisine. Ah, mais mec, c'est n'importe quoi. Moi, jamais vu. C'est insupportable. C'est gros. Mais la cuisine professionnelle, en fait, c'est horrible. Mec, laisse tomber. On était où sur les beaux-arts? Bon, là, on parlait des ateliers, etc. Mais après, t'as passé 6 ans, donc genre, est-ce qu'il y a des années différentes gros, un peu déjà aussi? Ouais, ouais, déjà, en gros, t'as première, deuxième année, tu branles rien. Enfin, en gros, tu t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Troisième année, t'as un diplôme, c'est la licence. Quatrième année, t'es censé avoir un échange. T'as un projet de diplôme pour la licence? Ouais, ouais. Tu dois faire un diplôme. Enfin, tu dois faire une expo avec tes. C'est pareil pour les cinquième années, en fait. C'est un mini diplôme de cinquième année. C'est genre, tu fais une petite expo avec tes dessins. Enfin, avec tes dessins. Avec ce que tu mets dedans, genre. Ok. Tu peux mettre ce que tu veux. En fait, ils te donnent des salles. Avant, ils donnaient des salles, des ateliers. On vidait les ateliers. Et ça se passait dedans. Maintenant, ils construisent des préfabriqués en. Des salles préfabriquées en bois. Ok. Avant, dans le musée des Beaux-Arts. Moi, je l'ai passé dans le musée des Beaux-Arts. Je sais pas si tu vois. C'est un espace qui donne sur le quai. Où il y a des expos et tout. Et maintenant, ils le font dans la cour Vitrézière, dans le gros bâtiment que tu vois à l'entrée. Okay. Bon, et du coup, voilà. Et ensuite, quatrième année, échange mémoire. Mais mémoire, tu peux le rendre en cinquième année, en vrai. Tu le rends même en février de la cinquième année. C'était vraiment, vraiment chaud, genre. Ok, ouais. Si vraiment tu l'as pas fait avant, et, tu peux le rendre. Et du coup, t'as fait un échange aussi? Non. J'ai pas fait d'échange. Okay. Je voulais deviner pourquoi. Covid? Eh oui. Oui, bien, ouais. Génération sacrifiée. Ah, non, en vrai, bah oui, du coup, ouais, je devais aller à Osaka. J'avais été accepté à Osaka. Oh, la haine. J'ai un peu la haine. Mmh. Enfin, j'ai eu la haine pendant longtemps, en vrai. J'ai eu la haine pendant vraiment longtemps. Bah, et, ouais. Mais en fait, c'est pareil, j'avais un pote qui avait été accepté à Tokyo. Mais en plus, lui, c'est pire parce que. Enfin, moi, ils m'ont dit en gros tout de suite, dès le lendemain du confinement, ils m'ont envoyé un mail en mode, ah, vraiment, l'école, elle est fermée, quoi. Ce sera pas possible. Du coup, je le savais tout de suite. Après, ils m'ont dit, vous savez pas combien de temps ça allait durer à l'époque. Ils m'ont dit, si tu veux, tu peux aller à Valence, en Espagne. J'ai fait. Je crois pas. je crois que j'ai envie d'aller à Osaka, en fait, tu vois. Bah, je savais pas combien de temps ça allait durer le truc. Du coup, je me suis dit, bah non, je vais aller à Osaka, tu vois. Et bah finalement, du coup, il y a rien qui s'est fait. Alors que, ouais, du coup, j'ai un pote à Tokyo, ils lui ont dit, il y a peut-être moyen, t'inquiète pas. Jusqu'en septembre, ils lui ont dit, peut-être y a moyen. Oh, et à la fin, c'était non. Et il était trop mal. Genre, lui, c'était vraiment son rêve. Il est rentré presque au Beaux-Arts pour pouvoir aller en faire un échange au Japon, tu vois. Il était vraiment trop, trop mal. Ça l'a éteint, genre, pour les prochaines années, vraiment. Ah, genre, il est bah, plus ouais. venu et tout. C'est trop triste. Mais ouais, du coup, voilà. Après, j'ai fait. J'ai redoublé mon année pour ça, en fait. Parce que je pensais que je pouvais faire un échange. Parce que le Covid serait fini. Mais du coup, non seulement il était pas fini. Et en plus, c'est en troisième année que tu prépares ton échange. Si tu redoubles la quatrième, tu peux pas faire un échange, en fait. Stupido. Mais c'est pas grave, parce que je suis content d'avoir fait un an en plus, en vrai. Projet de diplôme, en devoir de licence, t'as fait quoi, du coup? Bah, t'as vu, moi j'étais vraiment jeune, je trouve. Trop jeune. Il y a des gens qui font des trucs archi pro et tout. J'ai genre. Moi j'ai juste mis des dessins au mur quoi. Ouais. J'avais fait des grands dessins exprès, c'était juste après le Covid. Genre j'avais pris la chambre de mon frère, j'avais fait des grands dessins. C'est un truc que tu fais que je trouve vraiment cool et ça me donne grand envie de faire des gros dessins. Genre des, faut des faire, grosses BD, grand format et tout. Genre, vas-y, ça donne trop envie. Alors par contre, les BD grand format, je suis un peu, mais les grands dessins c'est trop agréable. C'est ouais. trop agréable. Et quand tu fais ça, genre, c'est avec. Tu fais ça après. Genre pastel à la craie ou des trucs. Ouais, bah je vraiment faut... au début j'ai essayé le tout premier, j'ai essayé de le faire à la plume, j'ai fait. Ouais, bah non. Non, pas du tout. Je me dis, ouais, c'est vraiment petit quoi le trait là, c'est fou. Et c'était même pas un très grand format, il devait être grand comme ça, tu vois. Ah oui, non. Mais enfin, je sais, ouais, de faire maximum 70 cm. Mais non, après j'ai fait vraiment des grands dessins, je les ai fait au fusain pour le coup. Ouais, fusain. Ouais. Mais ça c'était pour le diplôme de 3ème année, je les ai fait au fusain. Et après pour le diplôme de. Mais là j'avais rien. En fait, quand je suis arrivé à mon diplôme de 3ème année, ils m'ont dit genre. En fait, c'était hyper bizarre parce que j'avais un prof dans le jury que je connaissais et genre j'avais fait des cours de modelage avec lui, je sais pas quoi. Il est totalement taré ce mec, il est vraiment pas bien, tu vois. Genre, c'est. Sauf que moi, il me kiffe. Et du coup, il a pas arrêté genre, dithyrambique sur mon truc en mode waouh, ouais, les dessins, ça change vraiment, t'as vraiment fait des grands formats, c'est trop bien et tout. Et du coup, les deux autres personnes du jury, elles étaient là, genre calmos quand même, c'est pas si ouf que ça en fait. Et du coup, ils m'ont mis genre. Ouais, les sujets, ils sont quand même un peu adolescents et tout. Ça fait très jouet, machin, je sais pas quoi. Genre, je me suis vraiment pris un truc en mode ouais, genre. Un peu un truc de bébé, ce que t'as fait. Mm-hmm. Bah, rétrospectivement, oui, c'était le cas. Mais en fait, j'avais tellement pas les clés dans ma tête. Genre, je savais rien répondre. Je savais pas parler de mon travail, je savais rien. Genre, je faisais. C'était en troisième année. De ouf. T'avais, enfin, t'étais pas. Tu devais pas être le plus jeune de ta promo, mais tu devais quand même avoir des gens qui étaient un peu plus vieux que toi. Ouais, je pense. Ah oui, par contre, en vrai, oui. Mais en même temps, c'est des gens qui n'étaient pas du tout orientés art contemporain dans mon atelier. Ok. Du coup, j'ai tellement appris en dessin en vrai avec mes camarades. T'avais des gars qui étaient un peu dans la même pratique que toi, de ouf, au Beaux-Arts. En vrai, vraiment, mon professeur de dessin, il est dans mon atelier, genre. Enfin, il était dans mon atelier. Il n'était pas du tout. Enfin, Johan, en vrai,
Bah, il est pas prof de dessin, Joanne, mais il est même en BD et tout, genre, c'est vraiment des amis d'atelier. Big up à Ludovic, big up à Raoul. Ok. Raoul, qui m'ont plus appris en BD et en dessin que les profs, quoi, je pense. Ça, c'est cool. J'ai vraiment trouvé des gens trop cool en vrai, genre dans l'atelier. Et genre, c'est pas comme ça dans tous les ateliers. Il y a des ateliers avec des ambiances éclatées. Ah ouais, quel enfer. C'est vraiment genre, les gens ils arrivent, ils parlent pas, ils mettent leur casque, ouais, ils font leur délire et. Bah, c'est triste. Voilà. Ouais, non, en vrai, c'est pas cool. C'est pour ça que ça peut être aussi assez violent. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans un atelier trop cool, genre, ouais. Directos. Ça, c'est cool. Mais. Et du coup, après le fin de cursus au Beaux-Arts, ça se passe comment? T'as redoublé ton année et après c'est. Bah, j'ai redoublé mon année, après j'ai fait mon diplôme de 5 et pour le diplôme de 5, je voulais vraiment faire un vrai projet. C'est très dur de montrer du dessin au mur là. Pendant très longtemps, j'ai pas fait la différence entre ce qui devait être dans un livre et ce qui devait être au mur et ce qui devait être dans un carnet. En fait, chaque truc a sa place et c'est vraiment un truc que j'ai mis trop longtemps à comprendre. Genre. Ouais. Et alors que Johan, pour le coup, il le disait vraiment. Genre, à chaque fois, il voyait un dessin, il faisait vous faites pas la différence entre ce qui va au mur et ce qui est dans un carnet. Mais ça, c'est... Enfin, et il me l'a dit, mais ça fait partie des trucs que tu peux pas te dire. Il faut que tu le comprennes tout seul. Genre vraiment, il a passé 4 ans à nous le dire, tu vois. Et moi, j'ai rien capté. Et je l'ai compris après, genre vraiment. De ouf. Mais après ça, je pense que ça vient genre quand tu regardes ton format, déjà tu prends l'habitude de t'éloigner du truc. Rien que de dessiner debout, tu vois, ça me chauffe pas mal en vrai ça. Donc t'es trop stylé. Même de la BD, je me dis de la BD en grand format. Mais tout ça prend, genre, je te dis, ça prend vraiment une. Mais y'a rien qui remplace le fait d'avoir un grand truc devant toi, genre. Ouais. A priori. Mais c'est pour ça qu'aussi y'a un truc avec les. Bah après, genre. Non, mais un truc avec les IA et tout, genre, je me dis, mais. Par exemple, ça remplacera jamais un objet, genre un grand objet devant toi. Genre. Avoir un tirage d'une image d'IA en 2 mètres par 3, c'est pas pareil qu'avoir un dessin, genre. Ou une... Toi, t'as des projets un peu en ce moment, du coup, tu dis que t'étais un peu HS là en ce moment, mais genre. Ouais. Bah, si, j'aimerais bien faire BD un. Ou d'anime, là. En fait, j'aimerais bien faire un film. Si, j'aimerais bien faire un film d'anime, mais j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai switché d'un coup sur l'anime en vrai. J'aimerais bien faire un film d'anime sur un peu le même sujet que mon diplôme en vrai. Ok. Mais tu vois, je suis un loser en vrai, j'aimais rien. J'aimais pas mis mon diplôme sur Instagram. C'est un truc de fou, genre. Il est sur Instagram des beaux, hein. Je vais mettre des mêmes. Mais je mets rien sur Instagram, c'est abusé. Ce serait très chaud de voir en vrai ce que tu avais fait du coup en projet de diplôme. Bah, en gros, j'ai dit la salle que je voulais et après, selon les plans de la salle, c'est juste un rectangle, j'avais genre prévu des formats pour recouvrir tous les murs en gros. De base, je voulais faire vraiment une fresque sur les murs, mais c'était pas possible. Ils m'ont dit vraiment, tu dessines pas du tout sur les murs. Bon, il y a des gens qui passent après toi donc jamais tu dessines sur les murs. Tu pouvais pas prendre des rouleaux et dessiner dessus, hein? C'est ce que j'ai fait du coup. Okay. J'ai pris des rouleaux de papier, j'ai dessiné dessus. Du coup, j'ai 18 grands formats de 2,80 m par 1,35 m ou 36 selon les murs. Ça, c'est solide ça. J'en veux tellement. T'as dit quoi? J'en veux. Je veux voir. En vrai, je les avais remontrés en début d'année, mais ouais. Là, je vais peut-être les remontrer aussi dans un truc à Hôtel de Ville. Ah, un clean. Ouais, il y a des étudiants de Sergi qui m'ont contacté pour éventuellement faire une expo et tout. Trop donc, bien. C'est cool. Ouais, vers fin avril. Donc, je verrai. Mais ouais, j'aimerais bien les ressortir. Ça fait partie des formats dont ah ouais, je suis là, fier. Vraiment, ça, bah... Parce que non, j'ai tendance à jeter mes dessins. Ça, c'est un truc de BDiste, de jeter ses dessins. Oh, ça, t'as vu, j'en parlais avec un pote. Il me disait, genre, t'imagines, il y a tellement de dessins de Breccia qui ont été perdus parce que juste, ils s'en battaient les couilles. Ils jetaient ses dessins. Après, lui, c'est vraiment particulier parce qu'il était en mode production usine à BD, tu vois. Ouais, mais c'est un des plus grands dessinateurs de BD de tous les temps. Et genre, même ses éditeurs, ils disaient, genre, bon, ça, c'est fini, on n'édite plus, ça, on jette. C'est genre, waouh. C'est chaud quand même. Mais putain. Ouais, je sais pas, j'ai pas du tout d'attache à mes dessins. Et comme le fait que je construise pas un objet aussi, ça. Mais ça... tu les jettes encore tes dessins? Bon, ça dépend lesquels. Maintenant, moins. Parce que, enfin, en fait, avec les. J'aime bien aussi le côté garder des petits dessins. Parce que, genre, ouais. Avec les 18 grands formats, du coup, j'avais fait une édition de 1000 pages. Genre, enfin, 1000. Ouais, 1000 pages, 500 feuilles en gros. Juste vraiment une ramette de papier, quoi. Où j'avais mis tout. Enfin, bon, tout. C'est pas exhaustif, mais genre plein de dessins de. Depuis 2 ans, enfin je sais que ça remonte à 2 ans maximum, je crois, que j'avais fait dans plein de mes carnets. Enfin, j'avais vraiment tout scanné, j'avais tout mis dedans, quoi. Ok. Et c'était assez agréable de voir un truc comme ça, genre. Bah ouais, tu m'étonnes. Se faire, j'ai vraiment kiffé. J'aime bien le genre de truc qui s'accumule au fil du temps et tout. Ouais, ouais non, mais même au bout de. Enfin, genre en 2 ans, tu vois l'évolution aussi, je pense. De... Après, c'était pas rangé par ordre chronologique, c'était vraiment genre un tas de papier, quoi, le truc. Genre, vraiment... Et là, on essaye de le faire rééditer avec un pote qui est genre un graphiste. Ouais genre en gros il a fait des études en typo édition et tout et du coup genre il était chaud de m'aider à le refaire clean. Donc, on est en train de voir si on peut pas avoir une petite bourse parce que ça coûte très cher à imprimer.
C'est clair. Mais moi, j'avais réussi à le faire gratos pour mon diplôme. Genre, j'avais vraiment pris l'imprimante de l'atelier édition des Beaux-Arts et j'avais sorti trois ramettes de noir et blanc. Enfin, c'était que noir et blanc, du coup, ça allait. Et après, j'ai fait imprimer la couve et là, j'avais réussi à le faire pour gratos, quoi. C'était cool. Mais voilà, en gros, c'était ça mon diplôme. Et ouais, du coup, ça a décrit une espèce de monde passé, futur, on sait pas bien, une espèce de dystopie préhistorique avec des héros hyper masculins qui soulèvent des trucs très lourds, mais en même temps qui se pissent dessus. Genre, enfin, des trucs un peu. Le but, c'était un peu de ridiculiser. Genre, Du coup, t'aurais fait un film d'anime dans ce. Et j'aimerais bien faire un film d'anime parce que à chaque fois, quand même, ça reste très narratif et très figuratif. Mais je décris quand même des situations. Ok. Donc, ça dépend. En fait, je pense qu'il y a des. Au Beaux-Arts, on m'a plutôt ramené à Philippe Guston et tout, mais. Enfin, il y a des trucs où, genre, selon là où t'es, on te catégorise pas du tout avec les mêmes refs. Mais. Ouais, ça reste quand même très narratif, très figuratif. Et du coup, je pense que ça s'adapte bien. Parce que j'ai pas arrêté de faire de la BD non plus, comme je fais de la BD. En fait, je décris des situations un peu. Et j'aime bien le côté gag aussi. Ça fait un peu une fresque. Le but c'était que ça tourne, donc ça tout se suit. Les dessins ils se suivent en fait. Okay. Il y a des formats qui se tiennent mieux tout seul, mais les dessins se suivent en règle générale. Et le but c'est que ça tourne et qu'on fasse vraiment une boucle quoi. Et il y a un espèce de petit mec qui porte un caillou qui revient un peu dans tous les formats. On est censé suivre. Bon, ça je crois que je l'ai pas bien assez explicité, mais voilà. Trop bien. Et ouais, du coup. En plus, ça, je me dis animé au tradi, ça serait vraiment cool ça. Bah ouais, mais ouais. En vrai, j'aime bien dans l'anime, je sais pas pourquoi l'anime ça m'a. Ça m'a grave encouragé à prendre des trucs et à les coller. Genre des photos et des vidéos, tu vois. Genre, je me sers grave de ça. Genre, je mélange juste des dessins tradis avec ça. Et je trouve ça marrant. C'est pas bouillant, ouais. Parce que, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'anime en soi? Bah, en vrai, j'en ai fait, genre, depuis longtemps, j'aime bien en faire. Genre, je fais vraiment des petites animes à. T'en faisais au Beaux-Arts déjà de l'anime? J'en ai fait un tout petit peu, mais. Okay. Sur Photoshop et tout. Genre, ça avait aucun sens par rapport à mon travail. Genre, c'était vraiment à l'extérieur de mon travail. Juste pour le plaisir de faire bouger des dessins, quoi. Et même dans l'univers ça avait rien à voir, mais du coup là, j'aimais bien ça et j'ai pas beaucoup plus de raisons en vrai de faire de l'anime, j'avoue. Bon, après, c'est vraiment une satisfaction et genre des affinités de dessin aussi parce que je dessine plutôt vite, un peu simple. Je pense même très naïf de t'as fait beaucoup de BD et juste l'anime après c'est en fait là ça vit en. Je sais pas si c'est l'anime c'est la suite logique, mais en tout cas c'est, pour moi c'est totalement normal que genre, un mec qui fasse de l'anime au bout d'un moment il fasse de la BD et inversement genre, Mais j'en parlais avec un mec justement qui est en 3ème année d'art déco et je le voyais dessiner dans un carnet, je lui dis ah tu fais une BD, il me disait genre ah non je fais pas une BD et tout et en fait on a parlé du fait que genre ça demandait quand même des skills vraiment différents, alors que ça pourrait, on pourrait se dire ah, c'est proche quand même, il y a du dessin, il y a de la compo des images, mais en fait genre vraiment ça demande des skills très très différents je pense. Ouais. Même si c'est bon, ça reste quand même assez proche dans les deux. Vas-y, tu peux très vite enchaîner et raconter dérouler un film. Là où l'anime il y a quand même un truc où il y a plus de contraintes et plus, en vrai, c'est certainement plus long. Je pense que dans les pratiques ingrates il y a vraiment la BD elle arrive quand même un peu au-dessus de l'anime encore, mais c'est genre dans les pratiques vraiment longues et dures, je pense que l'anime c'est le max, enfin l'anime traduit ouais c'est ça. C'est abusé. Mais la BD, ça marche vraiment par ellipse et tout. Je trouve ça très très cool. Mais moi, j'associe ça, en fait. J'ai l'impression que je mets beaucoup de billets de BD quand je fais de l'anime, genre. Quand je fais un storyboard d'anime et tout, j'ai l'impression que ça fonctionne pareil, alors que pas trop, en fait. Moi, quand j'ai fait de la BD, en fait, je faisais des plans. Ouais. En fait, j'ai remarqué que inconsciemment, je faisais des plans en 16/9 tout le temps. Et c'était vraiment assez con, tu vois. Bah ouais. J'ai dû essayer de me forcer, etc. Il faut lire Tezuka pour. Tu peux lire Tezuka et ça va apprendre à faire de la BD. Je pense. En vrai, oui. Il faudrait que je. Parce que j'ai aucune base en vrai, en BD. Tu lis pas de BD? Enfin, j'en lis peu. Je lis peu tout court. Donc, Ok. Mais il faudrait que je m'en mette plus. Moi, j'avoue, la BD, j'ai l'impression que c'est un peu un. Comme on a tous lu, c'est un peu aussi le mal-aimé de. Enfin, je veux dire, quand t'es dans un truc d'art contemporain, de Beaux-Arts et tout, la BD, c'est vraiment genre. Reste un peu loin quand même. Ouais, t'as senti ça un peu aux Beaux-Arts quand même? Ouais. Des mecs qui étaient un peu en. Bah, en fait, il y a ce côté où genre. Les gens ils connaissent pas bien la BD, je veux dire même les profs en fait, bah, hyper bien la BD, ça reste un truc quand même assez vulgos, alors qu'il y a plein d'artistes qui font de la BD style, genre. Enfin je veux dire, il y a plein d'artistes, il y a plein d'auteurs qui sont des artistes, il n'y a pas de problème genre, mais ils ont en tête, ils ont en tête Spirou, Cédric, enfin tu vois ils ont en tête des trucs qu'ils ont connus quand ils étaient petits et du coup qui est vraiment juste un truc que pour les enfants que tu lis,
qui doit se vendre en plus. Donc, bon, après, c'est évidemment l'art aussi doit se vendre, mais t'as capté, ils pensent que. Ouais. Non, mais je veux dire, ouais, du coup, ça, pour eux, c'est vraiment. J'ai l'impression que. Après, je veux pas dire non plus trop, mais je veux dire, tu peux pas vraiment faire de la BD aux Beaux-Arts, je pense. C'est pas, ils connaissent, de toute façon, ils connaissent pas, c'est pas utile. Les gens qui étaient avec toi, enfin, qui avaient un peu la même pratique que toi aux Beaux-Arts, ils sont. Tu sais, après un peu, ils sont partis. D'accord. Ils sont. Bah, ils ont. Ils sont à la Tour en Lyon. Ok. En fait, j'ai des potes qui sont partis des Beaux-Arts il y a genre deux ans, je crois, ou trois ans. Ils sont rentrés direct à la Tour en Lyon quand ça a commencé au tout début. Ils cherchaient un atelier, ils sont allés là. Et moi, ça a pris un petit moment, mais j'ai un pote qui a signé avec Cornelius, du coup, un de ses camarades d'atelier. Et du coup, il fait une BD pour Cornelius qui est ultra stylée, en fait. Ok. Même voilà. Si. Bah, c'est, en vrai, c'est petit Cornelius, mais la sélection, c'est genre, je pense, la. Moi, c'est ma sélection préférée de tous les éditeurs, parce qu'ils étaient grave des japonais de Garo Magazine, qui est genre vraiment, je pense, une de mes plus grosses refs en okay. BD. C'est vraiment la BD avant-garde et tout au Japon. Il y a un livre qui est sorti là, j'aimerais bien lire d'ailleurs, un français qui a fait genre carrément un livre, un petit docu sur Garo Magazine. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Bah franchement, je t'encourage à regarder. C'est chaud. C'est ultra ultra stylé, il y a plein d'auteurs, c'est vraiment un espèce de mouvement d'avant-garde de manga. C'est les mecs qui sont allés très très loin quoi. C'est un vrai délire. Ouais, ils cassent vraiment la narration, ils mélangent grave les styles. Ils sont vraiment dans le côté bien fait mal fait. Bah il y a un mouvement tu sais japonais qui s'appelle comme ça, le Etauma, qui est vraiment genre bien fait mal fait littéralement, et enfin littéralement j'en sais rien, mais c'est comme ça que c'est traduit en tout cas. Et ouais, j'aime trop ce côté-là en fait. Ça reste vraiment, c'est hyper simple. C'est vraiment rapide. Des mecs comme. Bah, il y a des mecs comme Tsuge, mais ça c'est plus en vrai l'ancienne garde, mais les mecs comme Tsuge, les mecs comme. Comment ils s'appellent ? Anakumai. Enfin, je me suis rappelé. Ok, ouais. Mais Shinichi Abe. Ouais, ça me fait bien en vrai tout ce point-là. Franchement, ouais. Pas du tout. Bah, moi ça m'a vraiment retourné la tête en BD. Je me suis dit, waouh. D'ailleurs, je m'étais noté les rêves graphiques, si t'en as d'autres à citer, je suis curieux de voir un peu. Ouais. Voir ce que tu consommes, parce que pour. Pour même un peu mieux comprendre ce que tu dessines après, je suis très curieux de voir d'autres trucs qui t'ont marqué et qui t'ont influencé dans ton taf ou quoi. Bah, l'année dernière, il y avait grave Corben, Richard Corben. Ok. Ouais, ça m'a vraiment fait péter un câble pendant genre quelques mois. J'ai trop regardé comment il faisait. Genre, je me suis grave enseigné sur comment il procédait aussi. Genre, il faisait des sculptures et tout pour faire des dessins d'après sculpture. Pour avoir des bons volumes. Ouais, c'est trop stylé. Il faisait tout. Il y a le mec à un moment, il faisait genre son éditeur, je sais plus, genre, tôt il avait pas de séparateur de couleurs. Du coup, il faisait lui-même ses calques CMJN à l'aérographe. Le poteau peignait un calque bleu, un calque magenta, alors un calque cyan, un calque magenta, un calque jaune et un noir. Ah sur oui. Des calques. Bouillant. Il est vraiment très chaud. Mais ça se voit parce qu'en fait, les couleurs, elles sont genre. C'est hyper. Genre, ça fait des couleurs hyper saturées. Genre. Mais je crois que c'est des BD comme. Je me demande si. Mutant World, il l'a pas fait comme ça. Genre les premiers Den, il les a pas fait comme ça. Okay. Et ça donne des couleurs. Bah, j'aime trop ces couleurs. Genre. Même son dessin, il y a un truc genre. J'aime beaucoup les dessins, tu sais, où c'est vraiment de la pâte à modeler. Genre tu peux vraiment les attraper. J'aime trop ça. Ah, il y a un truc tellement satisfaisant. Il a un rapport au volume qui est hyper intéressant aussi. Enfin, genre c'est hyper contrasté et tout. Ouais. Je pense que même. Parce que du coup, s'il bosse avec ses calques, je pense que ses calques de noir, ils doivent être tellement poussés. Bah, il les fait en premier, je pense. Je pense que c'est les calques noirs qu'il fait en premier, parce qu'il met beaucoup de noir dans ses dessins. Et ça, j'aime trop. J'aime trop les gens qui font de la couleur sans avoir peur de mettre du noir. Parce que tu sais, toujours en peinture, on dit, faut pas mettre de noir. Ouais. C'est pas bien et tout. Et j'aime trop ça. Alors lui, il a, bon, bah, les couilles. Avec que du noir. En plus, je pense qu'il vient d'un truc archi-académique, lui, vu les peintures qu'il fait. Je pense qu'il a vraiment appris un truc archi-académique et tout. Je pense que c'est quand même un gros point de la BD d'utiliser du noir aussi, tu vois. De ouf, ça c'est sûr. Avec le manga et ouais, toute la BD quoi. Enfin, ça part de l'encre en fait, ça part de la rapidité de la technique. Plume, encre, c'est envoyé. Ça peut faire des 20 planches par soir, ça peut faire des. C'est trop stylé. Mm. J'ai un pote qui m'a montré un mec aussi, parce qu'on s'était un peu renseigné. Hiroshi Hirata. Okay. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Une autre dinguerie, mec. Il fait que des mangas de samouraï. Que des trucs d'époque et tout. Mais le dessin. C'est une dinguerie. Après, tu peux plus lire Vagabond carrément. Tellement c'est stylé. Non, ouais, j'abuse, mais. C'est quand même différent. Mais franchement, je me suis dit, waouh, c'est chaud, c'est vraiment tellement bien. Genre, c'est tout au pinceau. Et le mec, on s'était renseigné sur sa vie, genre, il devait faire électricien à la base, son daron, il est mort et tout. Genre, c'est genre l'après-guerre. Non, mais genre. Il est mort. Non, mais parce qu'il devait apprendre le métier de son daron, moi, je crois, électricien, je sais pas quoi. Et.
Et genre, il s'est mis à faire de la BD, il lançait des 20 pages. Je crois qu'il, pour son premier manga, il a lancé un 20 pages en une soirée pour être publié le lendemain, je sais pas quoi. Et quand tu regardes ses dessins, le mec, mais c'est un baiser, il a appris tout seul, c'est abusé, il est trop fort. Trop stylé. C'est abusé, j'aime trop. Et il y a peu d'éditions en France, mais il y a un truc qui s'appelle L'Argent du Déshonneur, et il y a Zatoichi, je crois. Il a fait une version de Zatoichi. Il est trop bien. C'est trop trop beau. Tezuka aussi, grosse rêve en vrai. Là, j'ai lu plutôt cette année un truc sur sa vie. Je savais pas, il a fait là des trucs autobiographiques en fait. Okay. Mais année après année, genre tout n'est pas fait d'un coup. Genre, c'est des histoires courtes sur sa vie et qu'il a dessiné vraiment ouais, dans le temps, écarté dans le temps. Mais c'est un recueil qui existe au Japon, qui n'existe pas en France en fait. Je l'ai trouvé en scan. Trop trop beau. Trop beau. Je savais pas qu'il avait pris la guerre dans la gueule comme ça, aussi fort Tezuka en fait. Il a bossé à l'usine de munitions et tout, ça a été bombardé. Il flotte, c'est la tempête. Non, c'est juste. Ouais, j'ai écrit aussi. Et t'écris beaucoup ou pas? Franchement, j'ai toujours eu du mal avec l'écriture, mais. Je pense que c'est pour ça que je me tourne plus vers l'absurde en fait. J'ai l'impression que, de toute façon, je vais pas écrire des trucs qui vont fonctionner dans la narration normale parce que c'est pas trop mon. Comme j'en ai beaucoup lu, j'ai l'impression que je me dis à quoi bon très vite. Mais en vrai, je respecte quand même de ouf le truc d'écrire une histoire pour de vrai. Enfin, d'essayer d'écrire un truc sérieux. Ça fonctionne, il y a des émotions. Genre, il y a quand même la fabrique des émotions, il y a quand même un truc comme ça, tu vois. Il y a des gens qui maîtrisent ça, je trouve ça trop stylé. Je trouve qu'aussi être toujours au second degré, c'est un peu une bonne carapace. Échappatoire. Ouais, c'est ça. C'est carrément une carapace. Mais je pense que, faut avouer, moi, je pense que je suis pas capable d'écrire. Enfin. Peut-être que je travaille, mais. Jamais fait, hein. Mais je l'ai jamais. En vrai, cool. Si, je l'avais fait quand je suis rentré au Beaux-Arts en première année, j'avais fait une histoire en mode vraiment. Sérieux, mon pote. J'étais trop jeune, peut-être. Et j'étais beaucoup trop jeune. Ah, je comprenais rien à ce que je faisais là. Mais. Et ça, en vrai, très vite, je me suis tourné vers la parodie, parce que comme j'ai lu beaucoup de trucs, j'ai l'impression que. Je sais pas, genre, j'ai envie de les parodier après. Ouais, genre, plutôt que de faire la même chose. Avant, mon projet de diplôme, c'était ça. C'était genre. Je sentais que j'étais trop jeune, et du coup, je me suis dit, vas-y, juste, je vais me faire kiffer au max sur ce film-là. C'est un film qui est cool, mais en vrai, qui ne raconte rien, quoi. C'est vraiment juste un essai. Maintenant, je le vois comme ça, c'est juste un truc où c'était amusant de le faire. Et... Mais bon, en soi, je sais pas. Enfin, ça peut être très amusant, mais ça raconte pas grand-chose, donc. Tu vois. Ouais. Après, je pense que. Ouais, s'il faut faire un truc un peu cliché, je pense, je sais pas. Je pense dans l'absolu en être capable, mais en même temps, je pense qu'il faut s'y frotter avant de le dire aussi, et que je l'ai pas forcément fait, ouais. Ou pas assez en tout cas. Mais c'est pour ça que. Après, ça c'est vraiment dans la narration, mais t'es pas obligé d'écrire comme ça non plus, ouais. J'aime bien une écriture aussi qui dit des choses, mais qui dit des choses par des situations, des morceaux de situations, genre qui sont pas forcément. Et j'aime bien l'absurde aussi, donc c'est compliqué de. Enfin, pour l'instant, ça m'intéresse plus que juste d'écrire un truc. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien fonctionner comme ça si je fais un film d'anime, genre vraiment des petites situations absurdes qui se finissent comme une petite série d'histoires qui sont reliées entre elles par genre ça se passe dans le même monde, genre il y a des éléments communs, mais genre des personnages. Mais c'est ça, il y a un seul mec qui relie toutes les situations. Mmh, c'est ça. Avec son caillou là. Ouais, ouais bah. Même avec le côté. Enfin, préhistoire en tout cas, que tu traites et tout, tu peux revenir vachement à un truc hyper essentiel de l'humain qui peut être genre vraiment les bases hyper naïfs de ce que peut être vraiment l'homme, quoi, et ça peut être qui hyper intéressant. Dessus. Qui se pisse dessus, ouais. Ouais. Dans une caverne. Ouais. En pâte à modeler. En pâte à modeler, ouais. 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 Non, si c'est vrai. D'ailleurs, après, je sais pas, j'aime bien que ça reste... Je trouve que l'humour, ça permet aussi de pas... J'ai pas envie de dire... Alors, je suis pas non plus dans la philo et tout, genre je me dis d'écrire des grands comportements, genre d'écrire des trucs un peu genre oh, ça c'est l'humain, ça on est tous humains finalement. Ouais. En vrai c'est je préfère que les mecs qui fassent des trucs tu comprends même pas pourquoi ils le font, parce que genre en fait même plus précisément j'aime bien qu'ils fassent des trucs anachroniques. En fait j'aime bien qu'ils aient gardé une espèce de genre la pire ADN, genre c'est comme s'ils étaient la préhistoire mais qu'ils avaient un temps d'attention de TikTok, tu vois. Genre, j'aimerais bien que ce soit des trucs comme ça, genre juste ils ont gardé des trucs qu'il fallait pas garder. C'est un peu une dystopie comme ça, je trouve. Ça marrant. Genre, ils font des sonneries de téléphone à la bouche et tout. Genre, comme si leur cri de ralliement, c'était une sonnerie d'iPhone. Genre, le son, il est resté, tu sais pas pourquoi. Genre, ça fait 10 000 ans que c'est passé, le son, il est resté, genre. C'est vrai que c'est non, je sais pas. Des trucs comme ça, plutôt.
Est-ce que t'as, là je m'étais noté aussi un petit point que je fais souvent, des recommandations culturelles, des trucs qui t'ont, là tu parlais de tes refs avant, mais genre des trucs qui t'ont plu récemment, genre un film, un album, un truc que t'as lu qui t'a plu. Vraiment, ça Ah peut ouais. être un, pas forcément un truc récent, hein, c'est juste un truc que t'as Ouais. consommé récemment qui t'a plu et que t'as envie de partager, genre si t'as un film ou... Ouais, je sais pas, j'ai pas mal été au ciné récemment, mais après, genre, je sais pas, j'ai pas non plus de. Tu t'ailles? Ouais, il faudra que je bouge, moi. Capitaine. Va dormir. Tu vas dormir? Suis tellement en gueule de bois. Ah merde! Mec, c'est terrible. Et ce Ah, soir, je savais pas, c'est courageux d'avoir fait tout ça. Hein. Ouais, bah non, mais il fallait que je termine ma lettre. Et ce soir, j'ai un DJ set 23h-5h. Ça va être top. C'est toi qui DJ? Non, non, j'y vais. Hein. J'aurais bien aimé. Non, je vais. Tu connais mes zigs? Non. Bah, c'est un DJ et tout. C'était mon cadeau de Noël. Ouais, bah trop bien. C'est vraiment Mais marrant, en plus, c'est juste que ça tombe pas vraiment bonjour, quoi. Ouais. Non, c'est juste moi qui aurais pu faire un effort de pas me foutre une caisse hier, quoi. Oui, Surtout. J'avoue. Moi, c'était jeudi, mais je l'ai mal pris. Je récupère ça. Les tasses, je Les voulais. tasses, je les laverai, t'inquiète. Tu les laves et tu les. Vas-y, mec. Je vais choper ma veste et récupérer pas cette Ça tasse. marche. Ouais, je pense que tu es coupable de fou la dernière fois que j'ai fait ça. Jeudi soir. Petite caisse. Ouais. C'était nul à chier. Ah non, c'est genre trop bien de voir les gens, mais juste. Je me suis dit pourquoi. Ouais, mec. T'es con? Pourquoi t'as fait ça? Faut le faire plusieurs fois et après tu comprends et tu commences à te. Non, mais il faut des rappels de temps en temps, il faut des piqûres. C'est ça. Ah, j'avais oublié. En ce moment, c'est l'exact opposé là et je traque quel plaisir. Deux. Bah, de voir des mecs qui se foutent des caisses. Typiquement, Isidore là ce matin, il me fait. Moi, mec, gros, je suis couché à minuit, j'ai dormi 8h30, j'ai bien mangé, j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis bien. Bah ouais, c'est trop bien. Mais là ce soir en plus ouais, ce soir aussi il y a une soirée mais j'ai pas envie de boire là. Je me suis dit mais je vais faire une soirée sans boire là, c'est horrible. Enfin c'est pas horrible de faire une soirée sans boire, c'est juste comme là j'ai retenu la leçon, j'ai plus du tout envie de boire une goutte C'est d'alcool ça, tu ouais. vois. Parce que c'était vraiment une grosse cuite là qui t'arrivait récemment. Non c'était. Mais j'avais mal au crâne le lendemain et tout, pour rien tu vois. Je me suis dit juste on était avec un pote dans un bar tu vois, mais. Les cuites comme ça, elles sont toujours. Ouais, Elles sont beaucoup plus avec les autres, je trouve. Celles où il n'y a vraiment pas de raison de s'en foutre une, t'es ouais, en mode genre. elles font mal. T'es vraiment un déchet, quoi. Ouais, exactement, ce que je me suis dit de ouf. Sur ce, un plaisir. Un grand plaisir. Vas-y, mec. À lundi. Ouais. Bonne chance. Bon concert. Ouais, de ouf. Grave. De ouf, de ouf. Bah, toi aussi, en fait. Oh, c'est vrai. De ouf. Bon concert. C'est bien. Vas-y, on se racontera. Ciao, Joseph. Love. Salut. Ouais, du coup, t'es des trucs. Ouais, Tu vois. bah, je sais pas, je suis allé pas mal au ciné récemment. Vas-y, Et. bah, des films qui t'ont plu, je sais pas. La zone d'intérêt, il est bien. Hein. Oh, il est bien, Ouais, il est putain. vraiment très bien. Oh, Il est vraiment il est très bien rude, de ouf. hein. Mais il est bien. Il est très rude, ouais. Il est vraiment rude de fou. Et ouais, j'ai été voir aussi un film qui s'appelle Typhoon Club à la Cinémathèque, là. Ok. Qui était cool. Mais j'ai croisé d'ailleurs. Tu connais Raphaël, toi? Raphaël. Le grand maigre avec une barbe et les cheveux courts bruns. Avec des lunettes. Ouais, bah oui, c'est un de mes meilleurs potes. C'est ça! Il était là-bas aussi. Je l'ai Ok, vu. Ouais, putain, trop bien. il était dans la même séance que moi. Ah, c'était marrant. Mais je lui ai pas trop parlé du coup. On n'a pas pu se capter. Mais c'était marrant. Dans le même genre, je l'ai vu juste après, il y a One Life avec Anthony Hopkins sur un mec Seconde Guerre mondiale, un mec Ah! de Londres qui Qui a part sauver sauvé. des enfants, ouais. Ouais. J'ai vu la bande-annonce de ça au ciné, mais je l'ai pas vu. Bah, pas mal en vrai, Hopkins, putain, c'est un mec, il est incroyable, il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Et Qu'est-ce qu'il est vieux? qu'est-ce qu'il est vieux, mais en vrai il est super fort. Et il termine, Et il met des ouais. posts sur Instagram qui me terminent. Ah ouais? C'est lui qui fait ça, non? Il a un compte Instagram, et je te jure, il me fume, hein. Ah ouais? C'est comme l'acteur de Twin Peaks, là, Mac Lachlan. Il poste quoi? Lui aussi, il a des trucs sur Insta. Anthony Hopkins, juste, il poste lui qui fait des danses et tout. Non, mais vraiment, je te jure, il est trop chaud, genre. Il est trop fort. Je pense. Du coup, bon film. J'ai vu Dune aussi. Dune 2? T'as aimé? Ouais. En fait, c'est bizarre. Quand je suis sorti, j'étais genre, waouh, m'a saoulé. Après, j'en ai reparlé avec un pote qui m'a dit, en vrai, t'abuses parce qu'il y a vraiment des trucs pires qui sortent en blockbuster. Et franchement, il s'est. Le mec qui t'imagine le budget du film, le réel, il doit quand même se battre avec plein de. Ça pourrait être vraiment pire. Et j'ai fait, ouais, c'est Ouais, vrai, ouais, ça pourrait être vraiment pire. j'avoue. Surtout en Mais. plus, en vrai, pour avoir lu le livre, je trouve ça quand même.
moins grossi que plein d'adaptations qui sortent, tu vois. Je te trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, j'aimerais bien faire un double feature, alors voir les deux à la suite, parce que genre, je trouve que le ton il change vraiment radicalement d'un film à l'autre. Et genre, il passe de vraiment tout perdre à tout gagner d'un coup. Genre, ah oui, ça m'a saoulé que ça se passe toujours tout bien dans le film. Je me suis dit, mais ok. Ok, ouais. Il y a un truc bizarre. Et ouais, le personnage, je trouve que le personnage qui ramène. Le jeune là, le jeune machin. Le chauve là. Le neveu là, ouais. Il sert à rien. La grosse arène qu'on a là. Ouais. Oui, ça, fight, etc. La meilleure scène du film. Hein. Ah, c'est ça, tu vois. Et j'étais en mode, bah moi j'aurais aimé ça, mais avec Paul, tu vois. Un combat épique entre deux guerriers, quoi. Par contre, vraiment, vraiment, la DA de cette scène, elle est dingue. Ouais, ça c'est vraiment. Et les petits mecs là qui traînent autour d'eux là, avec leurs cornes, ils sont tellement stylés, ils sont tellement bien. Les trucs fait ça. Mais même les feutins. En fait, ça m'a fait plaisir de voir un truc un peu. Genre la scène sur la planète des Harkonnen, je trouvais ça agréable parce que ça change le registre, quoi. C'est vraiment genre en mode vraiment vas-y SF, il y a un vrai truc un peu, genre il y a des vrais choix esthétiques, ça balance des feux d'artifice en encre bizarre là, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est bien bouillant, ouais. Ouais. Après j'avoue, en même temps le livre est vieux, hein, mais White Savior de fou. Ouais. Ouais, c'est un peu chelou quand même. J'avoue. C'est quand même, en le regardant, j'étais quand même un peu genre ouais, le livre est vieux, ouais. C'est comme ça. T'as vu d'autres films sinon qui t'ont. Ou d'autres trucs, genre même ce que t'écoutes en ce moment. Genre, généralement, les gens, c'est le moment où ils foutent un peu. On met un peu fourre-tout. Je sais pas si j'écoute trop de musique en ce moment. En fait, j'ai pas mon téléphone, du coup, j'ai aucune mémoire. Et si j'ai regardé la fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Ok. C'est de la grosse bombe. C'est. Bon, c'est horrible, hein. Enfin, c'est un film très dur, non mais je veux dire, c'est hyper bizarre, genre c'est vraiment, c'est genre les années, je crois que c'est 69, c'est genre une meuf dans un village qui se fait vraiment bolosser par tout le monde. Ok. Et enfin, en fait, c'est vraiment un film qui est très hard, genre en fait, elle se fait bolosser, mais genre tous les mecs essayent de, enfin, c'est la totale angoisse, quoi. Genre, et en fait, elle reprend le pouvoir du truc d'une manière... Je sais pas si je le raconte d'une manière peu attendue, enfin, c'est juste c'est bien, quoi. Okay, ouais, c'est un vraiment stylé. Et même juste ça, franchement, ça faisait du bien après Dune. Là, j'ai vu ça après Dune, je fais genre un vrai film, vrai film qui est pas genre un gros truc américain. En vrai, ça m'a saoulé qu'il soit américain. En fait, j'ai entendu Timothée Chalamet et Zendaya parler, j'ai fait voir les américains. Ça m'a un peu sorti au début du film. J'étais genre, ouais, je capte, je suis pas sur une autre planète là, je suis sur les States, je suis aux States, c'est clairement américain, ouais. Il y a, en ce moment, il y a quatre, je crois que c'est sur Netflix, il y a des mini-courts-métrages de Wes Anderson avec on a parlé, ouais. Benedict Cumberbatch, et après ils sont cool. Et même après, bah moi je l'ai découvert que récemment, mais Fantastic Mr. Fox, je l'ai jamais vu. Et vu quand j'étais petit, j'en ai grave peu de souvenirs, c'est ouf. Bah c'est vraiment cool, vraiment, ouais. vraiment sympa. J'avoue, les films d'anime de Wes Anderson, j'avais pas vu Le Loup Cher non plus. Il est bouillant. Ouais, c'est stylé ça. Mais j'avoue, en anime, je me renseigne pas assez. En fait, j'ai l'impression que ça va jamais être mon univers. Je sais pas comment dire. Genre, quand je vois Inès, elle est tellement chaud en anime, elle connaît tout. Ah ouais. Bah, elle se tient tellement au courant des mondes de l'anime, je suis là, genre, waouh. C'est stylé. Et ouais, je trouve ça trop stylé. Vraiment d'être aussi impliqué. De voir ce que ça va donner le long métrage Remember ce Arco là. Ouais, de fou. Bah, j'ai pas été voir Mars Express. J'ai pas été voir le film de Le Dunback, Linda veut du poulet. En même temps, ça, c'est vraiment pour les enfants. Linda veut du poulet, mine de rien, je l'ai trouvé quand même. C'est quand même cool parce que à mes yeux, c'est un film qui prend pas les enfants pour des cons, tu vois. C'est cool, et ça. Le film reste intéressant, le film est beau. Donc, même si c'est un film pour gosses, je trouve que, enfin, par ça, je me dis quand même, j'ai quand même passé un très bon moment, tu vois. Ok. Et Mars Express, bah, franchement, c'est cool. Hein, on va vérifier plus rien. Ce qui est juste frustrant, c'est que c'est de la SF française en anime et que du coup. Bah, ça touche peu de monde, genre dans l'anime, tout le monde l'a vu en mode ah, c'est trop bien, bah, mais en vrai, genre dès que tu sors de ce prisme. Tout le monde n'a pas dit que c'était trop bien, hein. J'ai entendu des entendu des trucs qui n'étaient pas aussi dithyrambiques. Bon, en tout cas, j'ai un pote qui m'a dit que c'était bien aussi. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que c'est genre juste faut soutenir. Ouais, parce que bah, c'est tellement rare, je suis d'accord. Et que même si c'est pas parfait, parce que forcément ça plaira pas à tout le monde, juste. Moi j'ai envie que ça existe plus, quoi, parce que en fait des longs métrages comme ça d'anime un peu pour adultes comme ça là au cinéma qui sortent, il y en a genre une fois tous les 3 ans, quoi. C'est ça qui est triste. Ouais. Moi Mars Express, j'ai passé un bon moment quand même. Non mais je devrais, mais tu vois, genre ouais, je vais pas assez voir les films d'anime. Ouais.
Après, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais, de fou. T'inquiète. Ah, il y a Kung Fu Panda 4, quoi. J'avoue, ça me met une flemme en vrai, Kung Fu Panda 4 aussi. Hein. Je suis chaud de tester Mario après, quand même, sur Smash. Ouais. Ce que ça donne. Grave. Parce que là, ça m'a. Ça vénère, là. Ça m'a vénère, ouais. Ça m'a bien vénère. J'ai gagné. Techniquement, t'as gagné, ouais. Il faut s'exploser. Je suis chaud. Là, après. Pour le avec beaucoup des gens qui ont participé au podcast, on va faire un fanzine, enfin un gros fanzine. Ah bah je suis bouillant. On veut qu'il y ait de la BD un peu, plein de trucs comme ça, des élus pleins de. Moi je cherche à me remettre à la BD là en plus. J'ai un manque. C'est horrible, comment on fait? Moi je veux tout faire en fait. C'est chiant, genre je sais pas comment faire. J'arrive pas à aller ce truc, genre. J'ai envie de faire de l'anime, j'ai envie de faire de la BD, j'ai envie de faire du dessin. Ouais. J'ai envie de faire. Bah, ça fait déjà trois trucs quoi. Non, mais oui, c'est clair. C'est trois trucs qui prennent une vie. Genre, quand je vois les gens qui font des trucs bien, je crois qu'ils font rien d'autre à côté. Hein. Ouais. Tu peux pas aller tout voir. Enfin. Non. Sinon, t'as pas de vie sinon. Même si t'avais pas de vie, genre, tu pourrais pas faire les trois. Oui. Y'a des gens, ils ont pas de vie en faisant un truc. Oui. C'est ça, je me dis juste, genre, je sais pas. Non, mais en ce moment, je suis en train de jongler avec ça. Je me dis, mais. Comment on fait? En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je fais un truc, j'entame un truc, j'en fais rien. Du coup, ça reste dans mon tiroir. Et je le montre à personne, et du coup je fais rien à la fin quoi. Ouais. Mais c'est vraiment le truc de sortir des trucs. C'est pour ça que je trouve ça trop bien quoi, que tu fasses des. Enfin, que vous, avec le collectif et fou, vous fassiez plein de trucs comme ça. Enfin, mais c'est comme les gens avec qui j'étais au Beaux-Arts, ils veulent faire une revue de dessin, genre dessin, BD et tout, okay. En mode. Dans notre... Bah, ça fait 5 ans qu'on en parle quoi. C'est chaud, tu vois. Ouais, tu captes. Et ça, c'est jamais fait. Des 48 heures d'année, je suis chaud. Hein. Ça serait marrant. Hein. Ah, je suis très très chaud. Jamais fait ça. Mais jamais fait des 48 heures de quoi que ce soit d'ailleurs. Mais je pense que ça pourrait être grave drôle. Et justement, ouais, ce genre de truc, en fait, faire un projet, ça peut prendre peu de temps. Oui. Et moi, en vrai, des 48 heures d'anime au tradi, je me dis, putain, mec, quand t'as pas le temps, t'as pas le temps de te poser des questions, tu vois. Mm. Et des fois, c'est cool aussi de faire ça, un c'est truc instinctif. En fait, ouais, de ouf. En fait, ça, c'est vraiment génial. Genre, tu prends des décisions. T'as pas le choix. Là, c'est limité quelque part aussi. Ça veut dire. Après, quand t'es en groupe, non, justement. Quand t'es en groupe, tu te nourris. Quand tu fais un truc tout seul, je pense que c'est limité. Parce que ton instinct, il va tourner en boucle. Ouais. Il y a un moment où ça va être tes réflexes. Et bon. Je pense que les réflexes, c'est quelque chose à combattre quand on crée. Mais parce que ce que je trouve cool en groupe, c'est que quand t'as des doutes ou quoi, t'as souvent quelqu'un qui va venir te les dissiper. De ouf. Moi, j'ai pas assez ce truc de groupe en vrai. C'est vrai, c'est ouf. Hein. Je crois que je dessine vraiment seul. Genre. J'ai pas du tout la pratique. Et quand je voyais, c'est pour ça, genre, au tout début, quand tu étais allé voir aux expos de Club Lab et tout, et carrément, ils dessinaient ensemble sur des feuilles, j'étais genre, wow, ça a l'air stylé de faire ça. Cool, ouais, ça a l'air bien, ouais. J'ai jamais fait ça, genre. Je fais jamais ça. Genre, enfin, je sais pas si en vrai, dans l'atelier, quand j'étais au Beaux-Arts, on faisait des petits jeux, genre dessin, on dessinait dans les carnets et tout, genre dans les bars et tout, mais juste. On a jamais trop fait, genre. J'ai pas trop la dynamique de. Surtout qu'en vrai, le au grand format, ça s'y prête très bien, genre des trucs à plusieurs. De ouf. Mais en même temps, genre, je vois, ils sont vraiment dans la même vibe. Il y a un côté vraiment, genre. C'est fou de se trouver aussi bien, mais toi aussi, même, je trouve, dans votre collectif, vous êtes vraiment dans une bonne vibe en ouais, commun, ouais. Tu vois. C'est trop chouette. J'avoue, moi je vois 2-3 personnes, mais je pense que j'ai moins ce côté. Ouais, je capte. Ouais. Et je trouve ça dommage. Ça va venir. Ouais, je pense. Je pense. Après, je pense que c'est pas un truc en mode je cherche pas des gens, tu vois. Je suis pas activement en train de chercher, donc c'est oui, normal c'est aussi, tu vois. Donc, bien sûr. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi. Hein. Enfin bon. Non, Smash. Je serais cool. Totalement, ouais. C'est bon. Merci beaucoup. C'est trop bien. Bah non, merci à toi. Hein, c'est. Bah c'est trop cool de parler avec des gens. Putain, bien joué. Aïe, 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 je suis trop chaud ça.